Les gars, est-ce que ce serait pas la vidéo à l'ancienne parfaite? Une vidéo de yoga, les gars, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Alors, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui viennent de rejoindre le crew, ou ceux qui sont arrivés il y a pas trop longtemps, avant ma chaîne était une chaîne de stretching yoga, voilà, que j'ai dû supprimer pour des raisons, voilà, qui me sont propres, que j'ai déjà exposées dans une autre vidéo que je vais pas réexposer. Mais aujourd'hui, les gars, on va faire une petite séance de yoga des familles, juste pour se détendre les gars, juste pour se sentir bien dans son corps, juste pour passer un bon moment, déstresser les gars. Alors mon problème c'est que je suis trop bavarde et le but c'est quand même qu'on rentre dans la séance, c'est quand même qu'on passe à l'action. Donc voilà, pour ce qui est du matériel pour faire du yoga, juste comme ça parce que c'est une vidéo qui est optimisée pour les gens qui sont pas forcément habitués à la pratique. Mais voilà, vêtements confortables, où t'as une parfaite liberté de mouvement, peu importe si c'est un short tout pourri, si c'est ton t-shirt dégueulasse que ta tante t'a offert il y a 12 ans, on s'en fout, il faut être à l'aise, c'est tout. Et voilà, moi personnellement j'ai un tapis de yoga que j'ai acheté chez Nature Découverte, que ma mère m'a acheté chez Nature Découverte, plutôt à mon anniversaire. Le tapis ça permet de juste amortir les genoux pour pas que tu sois à même le sol, qui juste les genoux à même le sol, c'est un peu la pire sensation. On veut éviter ça, donc voilà. Éventuellement, un truc qui est bien aussi à rajouter, c'est un plaid. Donc ce plaid-là, il est absolument formidable. Pareil, chez Nature et Découverte, tu le trouves pour 20 balles. Si tu as besoin d'amortir tes genoux, tu n'hésites pas. Tu mets un coussin sous tes genoux, tu mets un plaid et ce sera nickel. Donc on va commencer en tailleur, les gars, ok? On va commencer en tailleur. Et juste, les gars, on va faire des grands cercles avec la tête. Juste pour déverrouiller, tu vois, tout ce qui est dans le cou et qui peut être un peu coincé dans la nuque, tu vois. Tu fais craquer ton corps. Alors, je sais qu'il y a des gens qui détestent se faire craquer leur corps, qui n'aiment pas ça. Mais bon. Le but, c'est quand même, c'est vraiment tu déverrouilles, tu vois, tu t'enlèves toutes les tensions là, qui s'accumulent derrière dans le cou. Moi, je sais que personnellement, quand je suis stressée, les gars, j'ai des tensions de malade dans la nuque. Genre, j'ai l'impression que je suis un peu la seule à avoir ça. Forcément pas la seule parce que mon corps, bon voilà, ressemble quand même à celui de la majorité des homo sapiens, mais vraiment genre j'ai des tensions de ouf dans la nuque, donc vraiment voilà, le but c'est juste on dégage tout ce qui est négatif comme ça dans le cou, dans la nuque, on dégage, voilà, tout simplement les gars. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va attraper notre coude ici et on va le ramener vers nous et juste voilà, on va le plus loin possible. Encore une fois les gars, chacun son niveau. Si t'es là, t'es là. Si t'es là, t'es là. Si t'es là, t'es là. Il n'y a pas de jugement. Le yoga, la première règle du yoga, c'est pas de jugement sur son corps. C'est la dernière chose qu'on veut quand on fait du yoga, c'est juger son corps. C'est se dire, oh là là, mais moi j'arrive pas à faire ça. On n'est pas en danse classique. Et même si, j'ai envie de dire, même en danse classique, on n'est pas censé juger notre corps. Donc juste, t'acceptes ton corps tel qu'il est là, aujourd'hui, maintenant. C'est le plus important. Ensuite, on prend l'autre coude. Et on le ramène vers soi, le plus loin possible, sans forcer les gars. Encore une fois, il s'agit de se détendre, il s'agit de s'étirer, il s'agit pas de se brutaliser. C'est juste, accepte ton corps dans l'état actuel des choses. Voilà. Ça, c'est vraiment l'étirement de l'épaule, nickel, tu vois. Voilà, et ensuite, on va poser nos deux mains comme ça sur le sol. On respire un grand coup, on essaye de vraiment être présent à ce qu'on fait. C'est extrêmement important en yoga, chaque micro-geste compte en yoga. Ne fais pas les choses juste comme ça, ouais, ok, vite fait, non. Non. Là, dans les 10 minutes qui vont suivre, je suis totalement à fond dans ce que je suis en train de faire. Et chaque micro-mouvement, quand je passe de ça à ça, je suis conscient de chaque mouvement que je fais. C'est extrêmement important, c'est une des bases du yoga, c'est d'être présent aussi, tu vois. Ensuite, on va prendre un bras et on va lentement le ramener vers le côté droit ou gauche comme tu préfères, le côté qui te parle le plus sur le moment, et on y va, on va le plus loin possible les gars. Encore une fois, moi je pratique depuis des années le stretching, les étirements, tout ça, donc si t'as l'impression que t'es entre guillemets nul par rapport à mon niveau à moi, franchement non, parce que juste ça fait des années que je pratique, donc si t'as l'impression que je suis ultra souple, oui, je suis ultra souple, les gars, j'ai pratiqué. C'est pas parce que vous êtes nuls. Je me la pète tellement, c'est grave. Bref, peu importe. Non, mais c'est important de le rappeler parce que des fois, des débutants se comparent à des professionnels et juste, what? Non, quoi. En gros, non. Chacun son niveau, les gars. Voilà, hop. Et franchement, le yoga, c'est... J'ai envie de vous dire une chose, les gars. J'ai connu une prof de yoga qui m'a dit, ce qui est lamentable aujourd'hui avec le yoga, c'est que les gens veulent chercher la performance, ils veulent chercher à être la personne qui a la plus belle posture. On va de l'autre côté les gars, la plus belle posture, être super élégant, mais
c'est absolument le contraire du yoga. Le yoga, c'est justement j'accepte mon corps dans l'état actuel des choses et j'ai pas besoin d'être particulièrement souple pour faire du yoga. Il y a des gens qui sont réticents à commencer le yoga parce qu'ils disent je suis pas assez souple. Mais what? Depuis quand la souplesse c'est un critère pour faire du yoga? Non, jamais. Donc les gars, si vous êtes là, si vous êtes à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. C'est vous êtes en train de faire du yoga les gars, il n'y a pas de problème. Voilà, et ensuite vous revenez au centre, on pose la main sur le tapis et on refait quelques cercles, on balance la tête de droite à gauche comme on le sent, c'est vraiment genre on se fait plaisir les gars. Et ensuite on va prendre nos mains comme ça et on va s'étirer basiquement, voilà. Désolée si je sors un peu du cadre. Et là c'est typiquement vous faites l'étirement du matin, genre vous vous levez le matin, vous êtes là, ok. Et même si vous êtes le soir les gars, vous videz des péchés de la journée, les gars. Toutes les tensions là qui se sont accumulées dans votre corps là, qui sont là, qui sont bon. C'est parti les gars, on enlève tout, on s'étire, on se fait plaisir. Littéralement, voilà, regardez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Juste un bras, les deux bras en même temps. Freestyle, faites-vous plaisir. Ce qui vous fait vraiment du bien, les gars. Voilà. Bon là je pense que c'est déjà, on a bien étiré les obliques, on a bien étiré les épaules, c'est pas mal. On va faire un petit peu encore des cercles avec les épaules comme vous avez fait en EPS quand vous étiez à l'école. Les fameux étirements comme ça de rond d'épaule qu'on a tous connus à l'école, bref. Mais en fait ça fait du bien donc on fait. Hein. Ok, maintenant on va passer un petit peu à quatre pattes les gars, ça y est on va commencer, let's go rock'n'roll. Alors, faut que je vérifie dans le retour si je suis bien dans le champ. Voilà. Et il y a mon chien là qui est littéralement en train de. Parisou, tu gênes. Tu prends trop de place. Ok, encore une fois, les gars, chaque micro-mouvement qui vous amène. Alors, je vais essayer de pousser mes cheveux pour que vous me voyez un peu quand même. Chaque micro-mouvement qui vous fait passer d'une posture à l'autre est important. C'est vraiment genre vous êtes présent, vous êtes là. C'est ultra, ultra important. Et je peux vous dire que si vous faites du yoga tous les jours pendant une période, vous pouvez essayer 30 jours de yoga. Comme ça, et moi un de mes projets c'est d'ouvrir un Patreon pour, et de mettre dedans un vrai programme de yoga de une semaine, deux semaines. Ça pourrait être vachement intéressant pour les gens qui vont s'abonner et qui vont dépenser leur argent. Mais juste, c'est pas besoin de dépenser de l'argent, vous avez 10 000 chaînes YouTube de yoga, franchement allez-y les gars, YouTube est formidable pour ça. Bref, mais si vous faites du yoga tous les jours, vous allez vraiment apprendre à être méga présent, et c'est pour ça qu'on va rester un petit peu dans cette position de quatre pattes qui peut paraître totalement banale et ennuyeuse, mais en réalité il y a énormément de choses à explorer. Juste voilà la force que vous utilisez dans vos bras pour juste vous maintenir dans cette position. Je peux vous dire que si vous restez un petit moment dans cette position là, vous allez commencer à le sentir dans les bras, je peux vous le dire. Et vous allez même avoir des courbatures devant. Vraiment, prenez le temps de sentir tous les appuis que vous avez dans le sol, juste dans cette simple position de. Voilà, de table, voilà, de quatre pattes hein, finalement. Voilà, et ensuite, hop, on va pousser, on va arrondir le dos un max, on relâche la nuque à fond. Et les gars, secouez votre tête pour être sûr que votre nuque est complètement relâchée, les gars. Extrêmement important, la nuque ne doit pas être tendue du tout. Vous relâchez à fond la nuque. Et les gens ont tendance à beaucoup voilà, faire cette erreur de crisper la nuque comme ça. Non, il n'y a pas de ça. C'est juste, vous secouez la tête pour être sûr, de droite à gauche, et hop. On remonte. Les gars, maintenant j'ai les cheveux courts. La dernière fois que j'ai fait une vidéo de yoga, j'avais encore les cheveux longs. Du coup, ouais, c'est un peu plus. C'est pas pareil. Et ensuite, on fait l'inverse, donc 4 cow. Hop, voilà. On creuse le dos, voilà. Et on rearrondit. Et là, vous le faites à votre rythme, ok? Vous n'êtes pas obligé de prendre mon rythme, juste vous passez d'une posture à l'autre, dos creusé, dos arrondi, juste à votre rythme, voilà. Et il n'y a pas de souci, tout va bien. Ensuite, une fois qu'on l'a fait quelques fois, voilà, on se remet à l'aise dans la position du 4 pattes. On retrouve ses 4 appuis, les gars, ok. Et on va commencer à vraiment sentir les appuis dans les mains. Sentez vraiment à quel point le poids de votre corps s'enfonce dans vos mains. Parce qu'on va monter en position du chien tête en bas, ok. Donc ceux qui ne connaissent pas le yoga, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. On va crocheter les pieds derrière et attention, on va monter, hop. Position du chien tête en bas. C'est un grand classique du yoga, la posture du chien tête en bas, ça fait vraiment beaucoup de bien. Encore une fois, chacun son niveau de souplesse, d'aisance, etc, etc. Yeah. C'est pour ça, là je fais exprès de vraiment plier les jambes pour pas que vous vous sentiez obligé de tendre les jambes et de poser les talons au sol. Vraiment, mettez-vous à l'aise, ok. Évidemment, si vous avez le niveau, vous tendez les jambes, vous posez
talons au sol et vous vous faites plaisir. Chacun son niveau. Moi j'ai un peu perdu ma souplesse hein, dernièrement, mais bon, je fais de la danse classique donc je vais récupérer vite. Et juste vous vous mettez à l'aise dans cette posture du chien tête. Vous profitez les gars. C'est vraiment, vous prenez du temps pour vous, vous êtes bien là. Et voilà, vous en profitez tout simplement. C'est vraiment genre là, je suis bien, je suis avec mon corps, je suis à l'aise, je suis dans le moment présent. Et c'est la meilleure chose que je puisse faire à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pédaler un peu ce chien tête en bas. Donc, c'est-à-dire que vraiment, littéralement, vous pédalez. Vous posez un talon et vous levez l'autre et inversement. Hop, et vous, voilà. Si tu comprends pas ce que je veux dire, vraiment, regarde ce qui se passe à la caméra, ce qui se passe à l'écran. Voilà, lève un peu la tête pour regarder. Puis une fois que tu as compris, bah voilà, tu le fais dans ton coin, peinard, à ton rythme, voilà. Alors, pédaler, ça peut aussi vouloir dire, voilà, je fais n'importe quoi avec mes jambes. C'est... Faites-vous plaisir, les gars. Donc, vraiment... Voilà, on pédale quelques instants et on réinstalle son chien tête en bas. On se fait plaisir et attention, on va avancer son corps vers l'avant pour pousser le poids vers les bras, vers les mains. Et doucement, à son rythme, hop, on va passer en posture de la planche, le grand classique, la planche. Ok, attention, on rentre les fesses les gars, on rentre les fesses, on contracte les abdos, c'est extrêmement important. C'est une posture qui est extrêmement exigeante musculairement. Et ça fait énormément de mal à votre corps, c'est un délire. La planche, c'est un indispensable. J'aurais dû attacher mes cheveux, c'est pas grave. Et ensuite, vous poussez dans vos coudes et vous allez passer en chien tête en haut si vous pouvez. Si vous pouvez pas, c'est pas grave déjà. Les gars, pas de jugement. Je vais vous proposer une variante pour les débutants. Vous descendez, vous posez, vous allez à plat ventre par terre tout simplement et vous faites un petit cobra, tout petit, petit, petit. Vous montez le plus haut possible. Voilà, évidemment, si vous êtes à l'aise. Vous restez dans le chien tête en haut et vous vous faites plaisir. Grand étirement comme ça. Ah, j'adore. J'adore. Voilà, on profite un peu de cette posture. Ensuite, on pousse de nouveau dans les mains pour revenir en chien tête en bas. Doucement les gars, vertèbre par vertèbre. Vraiment tranquillement les gars. Votre rythme à vous, ok? Pas le mien. Et on revient en chien tête en bas, vertèbre par vertèbre. Muscle par muscle, ok? Et on pédale, on se met bien dans le chien tête en bas. Et progressivement, on va revenir, encore une fois, on se concentre sur chaque micro-mouvement pour revenir en planche et ensuite repartir sur le chien tête en haut. Doucement les gars, on prend son temps. On n'est pas obligé de rush quoi que ce soit. On se met à l'aise, voilà. Chien tête en haut ou cobra, selon vos préférences, selon ce qui vous fait vous sentir mieux. C'est très exigeant au niveau des bras, je sais, ça brûle. Je sais, c'est chaud, mais vous allez voir, après vous allez vous sentir tellement bien. Et on pose dans les mains et on revient. Encore une fois, si tu veux aller plus lentement ou plus rapidement, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Et on revient. Ok, ensuite, attention les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire. On va prendre ses pieds, ok, et on va avancer vers les mains. Hop, on avance, on fait des petits pas. On plie les jambes à volonté, autant qu'il le faut, et on va jusqu'aux mains. Alors j'ai essayé de me mettre un peu au centre de l'image, mais vous avez compris. Bref, et là, les gars, posture de lapin, on relâche tout, les gars. Le relâchement total, la nuque relâchée, le dos complètement, complètement relâché, les gars. On se balance de droite à gauche. Encore une fois, genoux pliés à volonté selon ce qui vous fait le plus vous sentir bien. Si vous avez envie d'un grand étirement, que vous êtes très souple, vous pouvez faire la pince vraiment à fond, c'est-à-dire littéralement les jambes tendues, les talons bien dans le sol, les mains bien à plat par terre. Et on va de droite à gauche, on se fait plaisir et on ne juge pas son corps, on ne juge pas sa souplesse. Et attention, on pousse dans les pieds et on va se mettre en posture de la chaise. Ouh, ça tire dans les muscles, on ne voit plus dans l'écran, c'est pas grave, c'est pas grave. Et on relâche tout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on se fait du bien, les gars, là, on est bien. Et on se remet tranquillement dans la posture et en reposant les jambes, on se remet en posture de la chaise. Attention, on va rester plus longtemps, on va rester 10 secondes. 1, 2, 3, et oui, c'est dur, 4, 5, 6, on tient le coup, 7, 8, allez, 9, 9 et demi, 9, 3 quarts, allez, on relâche les gars, on relâche, on pose les mains au sol, on laisse les endorphines traverser notre corps, c'est bien, on se fait trop plaisir les gars, waouh, étirement agréable, oh mon dieu. Et on redescend et on revient sur notre posture de base,
les quatre pattes. Tabletop. Et on se met à l'aise, les gars, vraiment. On se met à l'aise, on sent les endorphines, on est bien. On fait des mouvements du bassin si on a envie. Après, moi, je suis sur YouTube et je suis une fille, donc forcément, on va regarder mes formes. Donc, j'ai pas envie non plus de faire ça. Mais peut-être toi-même, tu sais hein, ce qui se passe sur YouTube. Bon, voilà. Mais vraiment, les gars, vous êtes tranquille à la maison, vous avez pas une caméra qui vous filme et 400 personnes qui vous regardent. Donc, franchement, profitez-en, les gars. Voilà, et tranquillement, on va revenir sur notre position assise du tout départ, c'est-à-dire le tailleur. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Les gars, maintenant, on va faire de la respiration profonde, ok? Pour juste profiter de toutes les sensations qui apparaissent dans notre corps, agréables, moins agréables. On respire par le nez, on inspire par le nez et on souffle activement par la bouche. À ton rythme. Si tu as envie d'aller très lentement, tu vas très lentement. Si tu as envie d'aller très vite, en mode prana, vraiment genre active version, fais comme tu veux. C'est ton rythme qui compte, pas le mien. De nouveau, on pose les mains sur le sol. On relâche encore la nuque, on se fait plaisir, on s'étire comme on veut. On profite vraiment de l'instant. Là. Vraiment, là, les gars, il s'agit que d'une chose, c'est de se faire plaisir. Ce que tu veux, tu vois vraiment ce que tu veux, freestyle. Et on pose les paumes de main vers le ciel, donc les mains sur les genoux, paumes vers le ciel. Et on ferme les yeux et on respire à son rythme. Et voilà, ça signe la fin de la méditation et du yoga en même temps. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a rendu un peu nostalgique si tu me suis depuis l'époque. Et bah écoute, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement, c'est-à-dire demain. Et d'ici là, namasté.